Ne vous y trompez pas, ce musée est immense. Il faudrait plusieurs jours pour le visiter. Là, c'est Blaise Pascal qui a inventé une machine à calculer en 1642. Il a réussi à mécaniser le principe de retenue dans l'addition. L'homme de foi était aussi un grand mathématicien et un inventeur. Le musée des arts et métiers a été créé par l'abbé Grégoire en 1788, au moment de la Révolution. Cet établissement avait pour projet gigantesque et ambitieux de perfectionner l'industrie nationale. 4000 objets de toutes les époques sont présentés. Mon préféré, c'est une machine à vapeur, un avion. C'est vrai, il n'a pas beaucoup volé. Il a la forme d'une chauve-souris. C'est l'avion 3 de Clément Ader. Un moteur à vapeur pour faire voler un avion, pas facile. Nous sommes dans l'ancienne église. On y dissèque des mécaniques diverses. Les prototypes sortis de l'esprit des géotrouve-tout de l'histoire des inventions y sont exposés dans une spirale impressionnante. C'est là que l'on peut voir le pendule de Foucault. Grâce à lui, on a eu la preuve matérielle que la Terre tournait bien.